vite. Monsieur Woodley. C'est bien. Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? Beaucoup trop loin! C'est vraiment très joli vu d'ici! Si tu voyais cette vue! À qui le dis-tu? Le vent forcit! Tu ferais bien de te dépêcher! Merci du conseil! As-tu au moins le bougie? Un moyen de redescendre? Ah, ce problème, on tendance à se résoudre demain! Il est là! Là-haut, tu vas bientôt manquer de toi. J'espère que tu sais ce que tu fais. J'ai bien l'intention de rire en te voyant t'écraser dans le fleuve. Vite. On est en train de les perdre. Dépêchez-vous, vite. Ah. Essayez de leur barrer le chemin. Toi. Là-bas. C'est une longue histoire. Arrête un peu de faire ton intéressant. Il faudra que je raconte ça à Bonaparte. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce...
Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Femme particulièrement hideux. Désolée pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Ok, accroche-toi, tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Bonjour à vous. Oh,
la chute. Ah, non, c'est par Léona. Qui nous a tout raconté. Bonjour, monsieur. J'ai vu Madame Goose et Monsieur Grisier. Il n'a plus toute sa tête. Il se passe quelque chose là-bas. À ta taverne hier soir. J'ai décidé de... Serait-ce une espèce de jeu? Non, capitaine! J'ai mis un pauvre gamin en train de manger! C'est sûrement contraire à la loi, non? Où est passé le... Les oreilles bouchées. Qu'y a-t-il? Du bon grain à vendre. Ah, un client. Les révolutionnaires. Il faut l'envoyer à Bicet. De vouloir faire ça? Pas vraiment, non. Mais le marquis siège à la convention en compagnie de Le Pelletier. Il pourra sans doute nous aider. Quelle attaque pourrait être la plus incisive contre la corruption du clergé?
Cette nonne entraînant un prêtre dans la débauche, ou un bénédictin sublimement membré sodomisant un bouc baptisé en l'honneur du pape? Nulle force sur terre ou dans le ciel ne pourra me forcer à vous répondre. Tu as raison, Arnaud. Allons pour le bouc. Bien. Que puis-je faire pour toi et ta charmante compagne? Louis-Michel Le Pelletier. Que pouvez-vous nous dire sur lui? Oh, ce cher Louis, un chantre de l'abolition de la peine capitale qui milite pour la mort du roi 2 ans plus tard. Où peut-on le trouver? J'ai bien peur que mes collègues députés ne recherchent guère ma société, sans doute en raison de mes réticences à faire décapiter des innocents. À propos d'innocence... Sade, Le Pelletier. Eh bien, il me semble qu'il prend ses repas dans un café proche du Palais Royal. Je pense que tu pourrais le trouver là-bas. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai. C'est vrai? Dans ce cas, j'espère me tromper. Oh, que non. Une livraison de vin pour le palais. On emporte ça derrière. Cette fois, tâche de nettoyer ces vitres comme il faut. Sinon, monsieur Le Pelletier va me le faire payer. Bien, madame. Bonjour, citoyen Le Pelletier. Citoyen Talien. Un mot à te dire et tu vas m'écouter. Ceux qui s'opposent à nous méritent la mort. On ne bouge plus. Voilà un autre qui ne sait pas boire. C'est ça. Attrapez-le.
Reste là, citoyen. Ah, je vais t'attraper. Tu es des bien trop là. Mieux pour toi que ces carreaux brillent quand même. Pardon, mademoiselle. Monsieur Le Pelletier s'est plaint que son bureau sentait le renfermer. Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur déteste les pièces aérées. Ceci pourrait-il vous convaincre? Oh, oui, monsieur. Rémi, ouvre la fenêtre. Monsieur Le Pelletier aimerait qu'on aère son bureau. Mais tu disais que... Fais ce que je te dis. Très bien. Vous me faites peur, monsieur. Arrête-toi, ou je vais te découper les jambes à la scie! Ça t'avant de perdre mon temps! Termine de conservateur! Il ne revient pas aux hommes de juger leur prochain avec l'escate et le patchwork. Bienvenue! J'essaie d'empoisonner mes clients. Je vous demande pardon. Coupé au sucre de plomb. Un seul mot.
Quelqu'un a tué Saint-Pierre. Une minute. Oh, qu'il aille au diable. Garçon. Moi, je vais au bordel. Oui, monsieur. Une bouteille de votre meilleur qui vin. Qui t'a tué, Antoine? Ce soir, nous fêtons Michel. La mort de la tyrannie. Tout de suite. Quelqu'un a tué Saint-Pierre. On ne bouge plus. Les autres. Vous allez pouvoir me faire. Vous allez filer, oui. Je vais vous éradiquer jusqu'au dernier. Garde. Garde. Ne laissez pas vous courir. Je t'ai retrouvé. Arrêtez de bloquer le passage. Ne le laissez pas s'échapper! Arrêtez-le! Le roi doit être perçu comme un criminel et un traître. Ce n'est que lorsqu'il aura été exécuté comme un vulgaire brigand que nous présenterons au monde la vérité de Jacques de Molay. Présentez au monde les vérités qui vous plaisent, grand maître. Ce que je le fais pour le bien de la France. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Citoyen Le Pelletier, à cet instant, nous comptons 360 voix pour l'exécution et également 360 pour la clémence. Quel est votre vote? L'exécution. Les voix ont été comptées, grand maître. Alors ? Le roi va mourir. Je n'en ai jamais douté. J'avoue être impatient d'assister à la fin de la tyrannie. Je veillerai à ce que vous soyez bien placé. Reviens que je te mette embrouillé.